Et re-salut tout le monde. Alors nous voici dans un nouveau chapitre donc, que j'ai intitulé vidéo numéro 5, on va dire. Il y en aura des tas et des tas des vidéos. Hein. Et donc là on est sur héritage de famille comme vous le voyez. Donc ici, rapporter cet objet, marteau de fer. Ok. Une famille de Blanche-Rive s'est fait voler un objet précieux et pense que les coupables l'ont emmené au camp de l'arbre endormi. Je dois récupérer cet objet et le rapporter. Donc, alors. Voilà. On va baisser un petit peu le son de mon truc. Ok, l'uptime de la session continue. On est parti les amis. Donc comme je vous ai dit, hein, on est sur la deuxième partie de cette soirée. Et on va aller faire cette quête. Par contre, je vois plein de petites choses. Donc là, je devais retrouver, voir Jorvaskre. Je sais pas où il est. J'ai réussi à trouver un fragment. Ok, ça c'est fait. Hein. Tuer le chef des bandits donjon de Valdheim. Ok, ça, est-ce qu'on peut activer cette quête ? Donner le sel, ça on verra ça plus tard. Et ici, visiter l'académie, on verra ça plus tard. On va pas tout mélanger. Retrouver la pierre de dragon. Ok. Et donc, héritage de famille. Héritage de famille. Ici. Donc, on va mettre un petit. Souhaitez-vous placer un repère ? Bah oui. Oui. Donc je suis ici. Est-ce qu'on peut se TP un peu plus près? Déplacement impossible. Déplacement impossible. Ah, il faut peut-être sortir de la maison aussi. Il faut peut-être sortir de la maison. Voilà. Alors, on va sortir de la maison. Ça, c'est toujours pas. Est-ce qu'on peut, je peux me TP ici? Oui. On va se TP. Histoire de gagner du temps quand même. Un petit TP. Très bien. Ils sont superbes les musiques. On va peut-être regarder si on peut mettre un peu plus d'audio. Les musiques peut-être. Musiques, elles sont superbes. Moi j'aime bien. Voilà. Et donc on doit aller par là. C'est parti. Hop, est-ce que il y a quelque chose dans les compétences à activer ou pas? Éloquence, voilà la tire, crochetage, niveau 18, furtivité, armure légère. À une main, deux mains, 38 capacité, d'accord. Alors, barbare, les armes à deux mains infligent 20% des dégâts supplémentaires. Ah, j'ai 4 points à activer. On va en activer un peu. Position, les attaques puissantes avec une arme à deux mains consomment 20% de vigueur en moins. Ok, marteau. Cette attaque espadon, 10% d'infliger des dégâts critiques.
Et ils attaquent à la hache. Non, moi, ça sera toujours à l'espadon. À l'espadon, de toute façon. Les armes à deux mains, ça sera à l'espadon. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. 15%. Après, qu'est-ce qu'il y avait ici? Ouais. Je me suis un peu trompé. Les armes à deux mains, ok. Parade. Capacité à parer les coups. Les coups d'un ennemi à l'aide d'un bouclier ou d'une arme. La parade diminue les dégâts et le déséquilibre des attaques physiques. Parade plus efficace de 20%. Réflexe. Lorsque vous parez une attaque puissante ennemie, le temps ralentit. Ok, on s'en fout. Et ici, permet d'infliger une frappe puissante. On va faire la parade quand même. La parade. Ah non, c'est là. Voilà. Ah oui, on peut augmenter de 25%. Annulé. Ok. Est-ce que j'ai encore un point? J'ai encore un point. La parade, c'est fait. Forger permet d'améliorer. D'accord. Enchantement, non, pas pour l'instant. Altération. Guérison. Qu'est-ce que ça dit? Guérison. Cette compétence facilite le lancement des sorts tels que guérison, d'accord. Destruction, non. Conjuration, pratique de conjuration concerne la résurrection des morts et l'invocation des créatures d'Oblivion. Facilite le lancement, d'accord, non. Pas les illusions, alchimie, éloquence, compétence, d'accord. Voilà, la tire crochetage. Pour l'instant, on est bien. Petite sauvegarde, rapide. Voilà, histoire de sauvegarder tout ça. Allez, c'est parti. Ici, qu'est-ce qu'il y a à faire? Ouais, donc en fait, on est sur le moteur d'Oblivion, en fait, hein. Mais version améliorée, quoi. Il y a une grotte ici. Oh putain! Ah! Costaud, le lion là! Oh, je me suis fait déglinguer quoi! Dommage. Dommage. C'est con, c'est con. Il m'a défouraillé, quoi. On va peut-être pas y retourner, hein. Attendez, je comprends pas très bien. On va regarder un petit peu. Ouais, c'est tout au bout là-bas. Tout bout. Hop. Ah, dis donc, ça te ferait pas chier de courir un petit peu, espèce de feignasse? Oh putain! Oh putain! Oh putain, les gars! Peau de loup. Peau de loup. Et il y en a un qui s'est barré. Non, il est là. Peau de loup. On dirait que j'ai pris du saignement quand même. Hein. Ah, quand même, sortir des routes. Ça envoie du pâté, quoi. Ah, là, il y a un méchant. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Oh putain, il y a des voleurs. Vas-y, viens. Viens, espèce de sale connard! Tchon! Tchon! Tchon!
Oh, ça pique un tchant. Ah, saloperie. Oh, décroché. Et il y a une note. Il y a encore quelqu'un. Attends. Il y a encore quelqu'un à... Il y a une note. Livre. Note. Qu'est-ce qu'elle dit, cette note? Comme convenu, vous devez éliminer Montenson. Oh, vous devez éliminer. Mais c'est moi. Par tous les moyens, le sacrement noir a été effectué et quelqu'un souhaite la mort de cette personne. Nous avons déjà reçu le paiement correspondant à ce contrat. Tout échec est proscrit. Oh la vache! Quelqu'un qui a mis une prime sur ma tête, quoi. Je viens à peine d'arriver dans le jeu. Incroyable. Faire une petite sauvegarde automatique, là. Ça se passe bien. Voyez, les gars. Incroyable. Tu te fais attaquer par les loups, après tu te fais attaquer par un voleur. Il y a un truc là-bas, là, on va y aller. Mais génial ce jeu, c'est une tuerie, quoi. Attends. Quoi? Qui c'est qui parle? C'est toi qui parle. Vous avez mal choisi votre moment pour vous perdre. Bah viens. Oh putain. Putain, rien qu'en faisant la parade, quoi, le gars il s'est. Oh le pauvre. Masse de fer. Un petit morceau de fromage. Bon, ça, on fera ça plus tard. Hein. Là, il y a un lit. C'est vrai que ça fait longtemps que je me suis pas reposé dans un lit. Des bottes. Est-ce qu'on peut se reposer? Non, on va pas se reposer. Non, on va pas se reposer. Par contre, je dois aller par là. C'est quoi là? Il y a une sorte de totem là. Oh putain, il y a un géant là-bas. Oh la vache. Un coffre. Prendre le sel. Prendre le gobelet. Ah putain, pourquoi j'ai pris le gobelet, moi? Ah, il y a encore une pierre précieuse là. Ouais. Et un livre. Enchantement. Enchantement. Bon, le fait de lire, ça évite de prendre les trucs avec soi, quoi. Putain, comment il saute. Trop fort. Quoi cette pierre? Elle est bizarre cette pierre. Il y a de la peinture dessus et tout. Camp de l'arbre endormi. Bon déjà,
sauvegarde rapide. Qu'est-ce qui se passe ici, les amis? Tchou. Ah, la tanière de l'escroc. On va mettre un repère ici. On reviendra. On reviendra au retour. Ah, c'est ici. Putain, il y a des peintures tout partout et il y a... Il y a une entrée. Il y a un géant. Ah putain, il y avait quelque chose de marqué dessus. Ah là, ici. J'ai réussi à récolter de la sève. Ouais. Et sinon... Le marteau de fer du camp de l'arbre endormi. Marteau de fer. Non, c'est pas le géant qu'il faut aller voir. Putain, il y a de tout ici. Oh, bonjour monsieur. On peut discuter deux minutes? Je suis un petit peu perdu là. Monsieur? Non, bah je vais vous laisser. Ouais, non, je vais vous laisser. Je vais vous laisser tranquille. Non, je vais vous laisser tranquille. Ouh, il y a du sang ici. Oh la vache, il y a du sang. Grotte, bah écoute, ouais, bah ça, bah c'est ça. Voilà, il fallait aller dans la grotte. Ça servait à rien d'énerver le monsieur. Hop, une petite sauvegarde rapide. On va sortir. Oula. Bon, écoute, hein. On va recommencer, les amis. Ah. Putain, comment je vais faire ça? Mais non, mais je peux pas le tuer, mais je lui mets un petit coup, il... Enfin, un petit coup, je lui mets un coup et il... Mais il perd 2% de vie. À mon avis, il faut aller... faut aller comme ça. En scred. Faut pas utiliser la force. Oh putain, il m'a détecté, ce bâtard. Non, je suis caché. Bon, écoute, t'as l'air lent. On va essayer de la jouer. Apparemment, il m'attaque pas. Je suis caché. On dirait qu'il est aveugle, en fait. Ouais, ça doit être ça, le truc. Ça doit être ça, le truc. À mon avis, il est aveugle, mais il entend tout ce qui se passe. Il me voit pas. Tu me vois pas. Putain. Détecté. Caché. Mais je suis sûr que dans son coffre, là, c'est là où il est le marteau. Hein. Va falloir aller à l'arrache. Hein. Va falloir aller à l'arrache, les amis. Hein. Oh putain. Chercher coffre, marteau de fer. Moi, je prends tout. Hein. Armure cloutée, ça on s'en fout. Allez hop, on se bat.
Et comment je vais faire? Il me le faut ce marteau. Détecter. Mais il me voit pas là. Ah putain, ouais, il me voit. Hein. Je vais tout doucement, quoi, mais à peine que je bouge un sourcil. C'est impossible. Mais c'est pas possible, quoi. Mais comment tu prends cher? C'est incroyable. Je vais y arriver, je vais y arriver, c'est pas possible. Je vais y arriver. Allez, je vais à l'arrache, allez, rien à foutre. Rien à péter, mec. Wow. Si j'avais un arc. Ouais, je pense que c'est ça, en fait. Si j'avais un arc, et j'ai pas mon arc. J'ai pas mon arc. J'ai pas mon arc. J'ai pas mon arc. Par contre, j'ai mon pouvoir. Est-ce que mon pouvoir, il peut l'immobiliser, par exemple? Marteau de fer. Ah, j'ai mon pouvoir. J'ai utilisé mon pouvoir, ça marche. Ça marche, les amis. Allez, go! On y est arrivé. C'est bien ça. En fait, je l'ai un petit peu stun, quoi. Hein. On va vite faire la sauvegarde rapide, là. Hop, voilà. Et maintenant, je dois ramener ça. Retourner voir Skior. Alors, retourner voir Skior, affiché à carte. Fort Dragon, hein, c'est ça. Hein. Skior, ici. Tu es le chef des bandits ici, d'accord. Fort Dragon, il me semble que c'est ça. Hein. On va y aller comme ça. Vous ne vous rendez pas compte. On vient de commencer la partie, une toute petite mission de Rikiki, déjà 24 minutes de stream, quoi. Ça va. C'est incroyable. Incroyable. Mais bon, les chargements, ça va vite, quoi. Ça va vite. Skior, 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 où es-tu? Où il est, Skior? Je suis le commandant de la garde de Blancherive. Il me semble que c'est ici, hein. Fort Dragon, hein. Où je me suis trompé. Est-ce que c'est ici? On dirait pas. Hein. On va voir si je devais pas. Alors attendez. Ouais, parce qu'il me semble qu'ici j'avais un truc retrouvé Jorvasque. Est-ce que c'est pas ici Jorvasque?
Ritine. Dieu veillez sur vous au cours de vos batailles. Jean Vasque. Vous allez bien, j'espère. Ouais, ça va, ça va. Bon. Blancherive. C'est incroyable, ça. Ici. Petit amour. Arrêtez de toujours dire que je suis malade et tout. Pas de ma faute, je sais pas ce qu'il faut faire. Je sais pas. Vous avez déjà essayé d'être mercenaire? Ça pourrait vous convenir. Mais je dois rapporter ça à qui là? Attendez, si je fais ça. Ça, je retire. Ça, je le retire. Ça aussi, pour le coup. Voilà. Je vais faire ça. Voilà, je vais aller par là maintenant. Voilà. Eh ouais, c'est le bordel. C'est le bordel. Ah, c'est par ici. C'est ici, hein, Jorvasque, c'est ici. Hein. Alors, toi, t'es qui, toi? Vous devez encore faire vos... Vous avez besoin ouais. d'aide? Nous sommes très occupés. Hop. Donnez-moi ça. Ils ont requis la plus grande discrétion pour cette affaire. Je m'assurerai de sa restitution. Voilà votre part de la récompense. 100 pièces d'or pour ça? Héritage de famille terminé. Très bien. Très bien. Dans ce cas. Attends, attends, attends. Arrête de parler. Moi, c'est ça. Retournez voir Jorvasque. Il est quelque part par ici, Jorvasque. C'est pas possible autrement. Je m'occupe des guerriers de Jorvasque depuis toujours. Là, c'est Farkas. Ah, vous voilà. Sans Vignard, Bril. Il m'a pris sous son aile et m'a aidé à tourner la page. Jorvasque, on va aller voir s'il n'est pas juste derrière, à l'extérieur. On va voir s'il n'est pas à l'extérieur, là, ici. Jorvasque. Ah, non. Voilà. Non, mais casse-toi. Oh, putain. Ici. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi Skior vous a permis de vous joindre à nous. Skior, ah, lui, c'était voilà. Payé ici, lui. Pourquoi ne puis-je pas m'entraîner avec un... Rhea. Parce que vous vouliez apprendre à manier l'épée longue. Aela n'a jamais rien... Si le cercle okay. se porte garant, je respecte son jugement. Ouvrir Jovasque. C'est ça, hein. C'est ça. Jorvasque. Putain. Ici. Vous voilà de retour. Ça, c'est mon pote. C'est mon pote. Ça, c'est la vieille. Oh, je sais. Ça, c'est Bril. Il le faut bien. On va aller voir en bas. Histoire de clean un peu ce truc-là qui me stresse. Je n'aurais jamais cru qu'on me laisserait un jour entrer chez les compagnons. Mais cela dit, ouais. c'est à la portée de okay. la Torvar. Torvar, Jorvasque. C'est qui Jorvasque, les amis? Hop. Bon. Non, c'est Quel bon. Torvar. J'aime les petites lames. Torvar. Vous savez que j'aime les marteaux. Ah, il y a un bouquin. Ok.
Putain, je viens de où là? Ah, je viens de là. On va aller ici maintenant. Ici. Putain, il est pas là. Vous avez l'air en plus piteux état que moi. Ah bon? Certaines nuits, je vois les brumes de Sauvengarde en rêve. Vous croyez que je pourrais être membre du cercle un jour? Si je travaille. Dur. Ne vous inquiétez pas. Concentrez-vous sur votre honneur. Apportez la gloire aux compagnons et cette gloire vous sera rendue. Putain. Je veux simplement être sûr de prendre du gaz. Bah c'est peut-être lui, hein. Lorsque non. Vous aurez mon âge, bah non, c'est pas lui. L'odeur du sang vous ment. Je guide les compagnons et le cercle de concert. Parler à Rhea. Bon allez, tant pis, on s'en... Alors, Jovascre, c'est ça, hein. Mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi retourner voir. Ça veut rien dire ça. Ah, c'est peut-être. J'ai réussi à retrouver un fragment. Je vais pouvoir devenir membre des compagnons. Je cherche du travail. Allez lui parler sur le champ. Skior. La main d'argent. Skior. Il est où Skior? Skior, bah il est dehors. Skior, ah, salut. Vous voilà. Ouais. Oui, j'ai une mission légèrement différente cette fois. Mais je tiens à éviter d'être entendu. Retrouvez-moi sous la basse forge ce soir. Vous en saurez davantage. C'est vrai que vous ne l'avez jamais vue. Elle est sous la forge ciel, là où œuvre Eorlund. La porte est cachée, mais je vous montrerai la voie. On me pose trop peu... J'ai combattu. J'ai une confiance aveugle en quiconque ici. Et je n'en dirai pas de même des buveurs de lait qui m'ont élevé. Bon, ça servait à rien que je rentrais ici, hein. Si seulement il y avait un lit. Tiens, il y a des armes ici. Bah, si déjà je peux pas prendre des armes, est-ce que je peux dormir? Bah non. Alors il m'a dit d'attendre le soir. Hein. Retourner voir de nuit. Ah, donc on va avancer de 4 heures. Voilà. Et je pense que il faut aller par là. Ah, c'est ça. Ici. Voilà. Avez-vous fini de vous préparer? Yorvasque est le plus vieil édifice de Blancherive. La forge ciel y était déjà avant lui. Nul besoin pour vous d'en savoir plus. De la basse forge émane une magie antérieure aux hommes et aux elfes. Nous vous avons emmené ici pour vous rendre plus fort. Partons. Oh, une porte secrète. Niveau plus 1. Santé, on va augmenter un petit peu la santé là. Voilà. La santé, puis j'avais dit. Peut-être pas guérison, mais au moins. Parade. Ce qu'on fait à parade, hein.
parade plus efficace de 25%. Réflexe, lorsque vous parez une attaque puissante ennemie, le temps ralentit. Et ça, on peut pas le faire, ça. Parade, frappe puissante. Permet d'infliger une frappe puissante. On peut pas le faire. Ça non plus, on peut pas le faire. Oh, allez, vas-y. Allez, go. Je suis ravi. Nous verrons bien. Nous n'avions pas accueilli un cœur tel que le vôtre dans nos rangs depuis longtemps. Oh putain. Cette cérémonie piteuse derrière la salle ne sied pas à des guerriers de notre stature. Vous méritez plus que quelques paroles et un banquet. J'espère que vous reconnaîtrez Aella, même sous cette forme. Elle a accepté d'être notre ancêtre. Nous agissons en secret, car Kodlak est trop occupé à tenter de nous débarrasser de ce don qui nous a été fait. Il nous pense maudits, mais nous sommes bénis. Nous en retirons trop de puissance pour que ce soit une malédiction. Nous nous chargeons donc du problème. Pour atteindre le firmament des compagnons, vous devez partager avec nous le sang du loup. Votre esprit est-il prêt à rejoindre la bestialité de notre monde ? Parfait. Vas-y, vas-y, fais péter. Donc je serai un loup-garou, alors. C'est chaud, ça. Oh, putain. Oh. Entrer dans la basse forge. Participer au rituel du sang. Oh, c'est chaud, ça. Allez, go, hein. On y va ? Allez, go, on est parti. Oh, ça craint, ça, non ? Forme bestiale ajoutée. Oh, putain. Il faut faire quoi ? Oh, c'est génial. Putain, on dirait que... Je vais faire quoi ? Putain, c'est génial ! Oh, je dois tuer des gens ! C'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Fallait les tuer ? Non. Je crois que j'ai niqué la quête, non ? Fallait peut-être pas les tuer. Bah, ils nous disent rien, hein. Oh putain. Et maintenant ? Êtes-vous de retour parmi nous ? Je commençais à croire que vous ne vous réveilleriez jamais. Votre transformation n'a pas été des plus faciles, mais vous êtes toujours en vie. Félicitations. Nous avons même prévu quelque chose pour fêter votre réussite. Des chasseurs de loups-garous ont monté leur camp dans les parages, au gibet. D'accord. Ils font partie de la main d'argent. D'accord. Je crois que vous les avez déjà rencontrés. Nous allons les massacrer, jusqu'au dernier. Ah bon ? En route. Sior est déjà parti en reconnaissance. Vous faites maintenant partie de la meute, mon frère. Un super bien foutu design des femmes. Hein. La première fois est toujours la plus. Au moins, elles ressemblent à quelque chose, elles sont pas dégueulasses. Vous nous avez donné encore plus de mal que Farkas lors de sa première métamorphose. Le sang du loup coule dans vos veines. Bon, ben, je suis un loup-garou, les gars. Vous allez devoir prendre des forces avant de pouvoir faire appel à lui de nouveau. C'est intéressant. Et ne vous transformez pas n'importe où. D'accord. Ces terres rouillent de pleutres qui ne supportent pas de voir plus glorieux que... Ok, ok. Alors, va falloir vivre en tant que loup-garou, hein. Rien. Jusqu'à ce que vous décidiez d'utiliser ce pouvoir. D'accord. Ensuite, eh bien...
Vous en avez déjà eu un aperçu. On devient plus fort, plus rapide. L'effet ne dure pas, malheureusement. Mais le sang de vos ennemis peut le prolonger. D'accord. Si vous acceptez de le boire. Plus nous mangeons, plus nous sommes capables de prouesses. Ok. Nous pourrions bien découvrir d'autres cadeaux d'Irsine. Un remède ? On croirait entendre le vieux Kodlak. Je n'aurais pas dû dire ça. Je respecte énormément Kodlak, mais il a tort. Ce n'est pas une malédiction, mais une bénédiction qui fait de nous les plus grands chasseurs. Bénédiction, s'il bénédiction. S'il tient tellement à s'assurer une place à Sirengard, c'est son choix. Je serais un vampire, ça serait pareil, quoi. Chasse. La main d'argent s'est emparée de l'ancien fort du Gibet. Ils font toujours des proies si faciles. Je vais vous apprendre ce que je sais. Eh bien voilà. Parlez-moi, mon frère. Bon, c'est quoi que je dois faire ? Tuer les chasseurs de loups-garous. Ok. Peut-être pas... Je dois aller là, c'est ça ? À la prochaine fois. Ça promet. Allez, tape. Putain. Elle est morte. Ah, un arc. On va peut-être le prendre, celui-ci. C'est vrai qu'un arc... Ah ouais, elle est avec moi, elle. Est-ce qu'il y a des choses à récupérer? Non, je pense pas. Hein. Ouais, on va prendre l'entrée. Hop. Hop, des petites flèches. Ouais. On va prendre des petites flèches. Ah, un tonneau, tiens. Des carottes. Toujours utile. Oh putain, il y a des têtes de loup-garou là. Têtes de loup-garou. Allez, go les amis. Je sais pas ce qu'il faut faire, mais en tout cas, il faut y aller. Et quand il faut y aller, ben il faut y aller. Certainement. Putain, elle m'a fait flipper. Tu as des caisses ici. Regardez-moi ça. Ces lâches ont dû se barricader quand Skior a lancé l'assaut. La peur est palpable. Faut faire quoi là? Ah, faut actionner la manivelle. Ok, de l'or. De l'or, de l'or, de l'or. Oh, la goutte d'argent, c'est bon, ça. C'est bon. Putain, je vais pouvoir me faire du stuff avec tous ces lingots, là. Ça, c'est bien, ça. Ici, bottes en cuir, etc. Des potions. Du vin, allez, go. Go le vin.
Alors, qu'est-ce qu'il y a à prendre ? Cadavre, n'est-ce pas ? Oui, c'est bien ce que je pensais. Ouais. D'après l'odeur, nous ne le connaissions pas. Certains ne peuvent pas contenir l'animal qui est en eux. Ils deviennent sauvages. Pauvre bougre aurait pu être n'importe qui. Nous devrions continuer. Donc il y a deux portes. La porte est barrée de l'autre côté, donc ça doit être la porte de retour. On va faire celle-ci, hein. Hop. Oh putain, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu, j'ai pas fait attention. Pas étonnant qu'il y ait de la vermine partout. C'est sordide. Ici, qu'est-ce qu'il y a à prendre ? Y a rien. Oh putain, j'ai pris la truc en pleine gueule. C'est moi qui a fait ça. Oh la vache. Ouais, carrément, ça envoie du pâté, quoi. Ok. Alors, bœuf cuit, hydromel, ça... Potion médicinale... Et attends, l'épée. Ah ouais, une épée en argent pour les loups-garous. Ah, c'est clair. Par contre, au niveau magie... Guérison. Guérison. LR. R. Attends. Non favori. Non favori. Attends, je comprends pas là. Je comprends pas. Je comprends pas, hein. Guérison, destruction. Soin. Pourquoi c'est marqué R ? R. LR. LR. C'est quoi LR ? Putain, je regarde sur ma manette, mais... Dire quoi, LR ? Je sais pas. Guérison, bah, soin, L. Voilà, allez, vas-y, go. Et ici, LR. LR. Ah, L et R. Oh putain, L et R, mais bien sûr. Ouais, donc guérison. Guérison non favori. Voilà. Non favori, non favori. Ça, non favori, ça. Et ça, favori. Pour mettre L et R. Ouais, en fait, c'est les deux en même temps, en fait. Ensuite, putain. Favori. Donc là, j'ai le soin. Destruction. Flamme. Étincelle. Flamme. Guérison. Cri. Pouvoir. Forme bestiale. Forme bestiale dans favori.
Effet actif. Ok. Pourcent à la maladie. C'est des effets actifs, ça, il n'y a pas de... Ouais. Et donc, maintenant, si je fais ça... Non. Ouais, mais... Ouais, j'ai pas trop... Sauvegarde rapide, on verra. Hein. J'ai pas trop suivi. On va apprendre avec le temps. Avec le temps, je pense qu'on apprendra mieux à jouer à tout ça. Putain, il y a des loups-garous, là. Novice. Ah oui, c'est vrai. J'avais... Ouais. De l'or. Putain, il y a un collègue nous là-bas. Nous ne pouvons plus rien faire pour eux. Je bah. Préfère ne pas imaginer ce que ces chiens leur ont fait avant qu'ils meurent. Ah si, il en reste un. Vous voilà. Voilà, ça c'est fait. Flèche de fer, ça, ça, ok. Il y avait lui. Flèche de fer. Donc j'avais vu un loup-garou qui était enfermé. On va peut-être le libérer. Hein. Hop, lui. Non, lui, il est niqué. Ouais, il en restait un de vivant hein, quand même. On va le libérer. Où est-ce qu'il est? Il est ici. Niveau novice, hein. Putain, niveau novice, faut pas déconner, putain. Y a pas... Y a pas un mécanisme pour ouvrir les cellules, non? Ah, fait chier, ça m'emmerde, ça. Non, moi, je l'aurais délivré, hein. Et si je fais une recharge rapide? Pas faire charger prisonnier monte en sang euh, 23h32 la dernière ça doit être ça non merde on va faire ça comme ça. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que il y a un mec là-bas. Ça, c'est fait. Et maintenant... Nous ne pouvons plus rien faire pour eux. Si, si, on peut, on peut, on peut. Adepte, hein. Niveau adepte, hein. Voilà. Je préfère ne pas y mettre. Oh putain! Ah ouais, carrément quoi. Putain, mec, ce bâtard. Loup-garou. Oh bah laisse tomber. Oui, tu veux faire pour un bien ici et l'autre il te scalpe. Bon bah c'est pas grave.
Au moins, je suis prévenu. Donc là, il y a une porte. Ah, vous voilà. Hey. Alors des flèches, ça, ok, épée en argent, non, arc long, attends, hein. Hop, alors flèche en fer, ça, ok, lingot d'argent, c'est bien, ok, ici, de l'or, hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Alors, je suis rentré là, mais est-ce que c'était ici qu'il fallait rentrer ? Ouais, apparemment, ouais, c'était le seul chemin. C'était le seul chemin. Alors. Alors, ça monte. Ici, c'est en bas. On va faire d'abord ce qu'il y a en haut. Putain. Oh, décor, il y a carrément des trophées de. Des trophées de loup-garou ici. Un petit bouquin. Lire. Voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce que c'était ? Bah, c'est rien. Ah ouais! Ouais, comme ça, quoi. D'accord. Il y a un bouquin ici. On va pas prendre les bouquins avec nous, hein. Donc là, c'est pour monter. Et ici, c'est pour descendre. Putain, je comprends plus rien. On va redescendre parce qu'apparemment, il y a une porte. On va redescendre par ici. Alors, tu sais plus sauter ou quoi ? Ici. Ouais, c'est ça. Ici. Voilà, on a bien fait de venir ici. Oh, niveau maître, oh, je l'ouvrirai jamais. C'est pas la peine. Ouh, c'est quoi ça ? Espadon orc. Oh, allez, on le prend. Allez, hop. Première fois que je vois, on va le prendre. Bon, ben ok, on va monter maintenant. Hop, c'était par ici, hein, c'est ça. Tiens, il y avait un bouquin aussi ici. Hein. Merde. J'ai pris un truc de merde. Voilà. Alors, on est arrivé ici. Il y a une porte et ici, ça descend. Nous nous rapprochons. Attention, leur chef est du genre sournois. Ah, bah, si on se rapproche. Le possier. Le possier. Je ne pense pas avoir besoin de vous expliquer. Ah, putain, ouais. Putain, je galère. Un petit peu plus. Non, un petit peu moins. Ici. Oh ! Elle a cassé ! Putain ! Bon, bah oublions. Oublions ça. Ah, un établi. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça ? Oh, 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 oh. Doucement, 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 doucement. Putain, mais qu'est-ce qu'il en fait du bruit ? Établi. Est-ce qu'on peut améliorer ça ? Ça demande 4 lingots. Et j'en suis où au niveau des lingots, moi ? On sait pas. Vas-y.
Voilà, c'est raffiné, c'est... Si tu veux... Putain, le potin que ça fait, ça. Oh, laisse tomber. Ça pèse de rien, on va le prendre. Vide, vide, vide. Hop. Oh putain, c'est magnifique! Oh putain, oh, c'est bien joué ça! Ça c'est bon ça, du stuff, du stuff! Du stuff! Oh, c'est superbe! Ouais, ah, attends, peut-être son épée là, non? J'ai pas vu son épée raffinée, non. Ici, squelette. Ok. Espadron en fer. Ici, flèche en fier, bière. Ici, prendre ça, lingot. Plume de faucon. Ok. Ici, j'en avais buté un. Ici... Est-ce que c'était ça? Jambier en acier, ouais. Alors, les objets. Peut-être pas les armes. Mais la tenue. Ouais, j'ai ramassé un truc. Plus 2. Et ici, plus 4. Ah, ça, c'est bien, ça. Alors, il n'y a pas de coffre, il n'y a rien. Là, il y a une porte. On va sauvegarder. Hein. On s'est bien démerdé. Franchement, c'était chaud quand même. Alors, du soin, un coffre, de l'or, ça, ça. On peut le prendre. On peut le prendre. Ça coûte des ronds, on va le prendre aussi. Ces chiens. Ils ont réussi à tuer Skior. Il était l'un des plus forts d'entre nous, mais la force du nombre l'emporte souvent. Il n'aurait pas dû venir sans frère d'armes à ses côtés. Partez. Je vais vérifier qu'ils sont tous morts et examiner les cadavres. Bah attends. Nous fournirons peut-être des informations. Nous avons du travail. La main d'argent tremblera devant nous. Des rumeurs me sont parvenues au sujet de la main d'argent. Certains d'entre eux se tairent à Blancherie. Faites vite! Continuez-vous de lutter contre la main d'argent. Oh, armure du loup. Oh, ça a de la gueule, ça. Botte du loup. On va prendre ça. Ça aussi. Je prends ça aussi. Hey, mais c'est Skior. Jean, j'aimerais pouvoir vous accompagner. Bien. C'était Skior. Ah
l'armure du loup. Bon, ça, on peut le lâcher, ça vaut pas un P. Mais l'armure du loup, là. Beaucoup moins lourde. Beaucoup moins lourde. Bon, je peux la virer, ça. Botte du loup. C'était des jambières d'acier. On va les virer. Armure 14, ouais, voilà. Le casque, bon, on va le virer. Hein. On est bien, là. Et au niveau des armes, ça dit quoi, alors? Ça, ça vaut pas un rond. Arc de chasse. Ça, on peut le virer. Ça aussi. La pioche, bien sûr, hein, qu'on la vire. Ça, on peut virer, ça. Inférieur. Fuis le combat pendant 30 secondes. Ok. Alors, ça dit quoi au niveau de... Alors, sauvegarde rapide. Au niveau de la... Assassiner le chef de la main d'argent. C'est chou, ça, non? C'est qui, le chef? Un coffre vide. Il faut passer par là, alors. Ouais. Ouais, c'est ça. Niveau 6. Je dois passer mon niveau ou pas? Je sais plus. On va regarder ça, hein. Il me semble que je dois passer mon niveau. Santé. Alors ici, parade. Parade, non, ça marche pas, ok. Bah merde. Moi je suis où là? Oh, je suis si loin. Je suis là moi. D'accord. Non, parce que... Non. Parce que là, j'ai mis un repère là-bas. La tanière de l'escroc. On va se taper là-bas. Est-ce qu'on se ferait pas la tanière de l'escroc? C'est bien ici. Elle est ici, la tanière de l'escroc, hein. Allez, ici, hein. On va se faire une petite sauvegarde rapide, voilà.
Ah, c'est ici la tanière de l'escroc. On va se faire ça, la petite quête vite fait. Là. C'est celui qui a mis un contrat sur ma tête, c'est ça, hein? Il me semble. Petite quête annexe. Abandonnez-vous, vous pouvez encore. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est génial. C'est génial, j'adore. J'adore. La tanière de l'escroc. Mais c'est pas lui en fait qui fallait tuer, hein, je crois. On va regarder ça au niveau des quêtes. Divers. On verra bien. Ah, ils sont en haut. Faut faire tout le tour. Ici, un petit coffre. J'aime spirituel. Et puis, non, on va pas prendre ça. On va passer par là. Je vais vous fendre comme un pourceau. Ah, des crochets. Super important, les crochets. C'est rien. C'est moi, je fais que passer, les gars. Faites pas attention. Je vais vous déglinguer la tête. Petite sauvegarde. Putain, il y a du monde. Allez-y, partez devant. Je pourrais ainsi vous poignarder dans le dos. Vous n'avez aucune chance. Vous allez mourir. Mourir. C'est ça que vous voulez? Ça c'est fait. Ça c'est fait. Ah. Ouais, bouclier. Hein. Cache. Tu te caches, sacre bleu.
Ah. Salmoviette. Attends, j'arrive. Putain, où est-ce que... Il y a des trucs là. Il y a beaucoup de choses à récupérer ici, dis donc. Il y a même pas un petit coffre. Putain, on peut pas monter en haut là. Va falloir passer par là alors. Putain, il y a des cadavres dans les... Ouais, c'est ça, il faut passer par là. Tonneau, carotte. Décroché, gemme spirituelle, nickel. On va lire un petit peu au niveau des objets. Alors, les parchemins. Parchemin. Toutes les cibles de la zone, d'accord. Est-ce qu'on peut utiliser ça en favori? Toutes les cibles de la zone qui ne parviennent pas à résister sont paralysées pendant 10 secondes, d'accord. Les livres. Le lâcher ici. J'ai appris un nouveau truc. Une note de la confrérie. Ouais, d'accord. Voilà. Et ensuite, donc on avait dit ça. Parchemin. Ok. Ok. Ah, du saumon, tiens. Est-ce qu'on peut dormir ici? Ah ouais, tiens. PM. On va faire ça. Tiens, il y a un bouquin là. Ouais. C'est lui qui m'a fait ça là. Ouais. C'est lui qui m'a fait ça. Je sais pas à quoi ça correspond. J'arrive pas. Ça, j'arrive pas.
finalement j'y arrive. Quoi ça? Ah ouais, d'accord. Comment on fait pour annuler le loup-garou? Il faut attendre. C'est quoi? Un piège. C'était un piège.
Ici, il y avait un livre, j'ai pas pu le prendre. Là, c'est chiant parce que je voudrais bien récupérer... Ça dure longtemps cette connerie, dis donc. Ah, c'est bien foutu quand même. Je sais pas si l'autre côté, non, l'autre côté on verra pas. Mais là, on peut faire un petit screenshot. Ben voilà. Bon, on va d'abord aller rechercher un petit peu ce qu'il y a là-bas. Alors, le chef des bandits. Ouais, c'est ça que je voulais récupérer. Ça, on va aller dans les tenues. Et on va mettre les gantelets. On peut jeter. Direct. Le coffre, des crochets. Ah, livre de sort. Et un collier. Alors, le livre de sort... Vous sera pris. Épée liée. Nouveau sort. C'était où ça? C'était dans la magie. Épée liée, pouvoir. Cri de guerre. Non, c'est pas ça. Pouvoir. C'est pas ça. Épée liée, moi je voulais. C'est ça, hein. Ah, épée liée, voilà. Créer une épée magique pendant 120 secondes, rengainer pour rompre le sort. Ben voilà. Ça, c'est pas mal. Favori. Favori. Donc ça, c'est... Donc là, on est... Attends, on est dans favori... Attends. Épée liée.
Le soin, ok. Donc le soin, en fait, il reste... Attends, hein, on va faire ça. L et R, ouais, donc en fait, ça, c'est L et R. Ok, putain, c'est dur à comprendre. Hein. Et donc, en fait, le cri, là. Non, c'est pas ça. C'est le pouvoir forme bestiale. Forme bestiale. Ouais. Donc ça, forme bestiale. Ouais, je peux pas l'utiliser. Donc ça c'est L et R. Et ça. Oh putain. Ah ouais, d'accord. L et R. Ah. Hop, L et R. D'accord. Voilà, donc ça. Voilà, ça on commence à comprendre. Voilà, c'est nickel. Voilà, putain, c'est super showtime quand même. Bon, maintenant on sait s'en servir. Ah ouais, lui. Hop. Putain, j'ai failli tomber, quoi. Il y avait quoi à récupérer ici? Ouais, il n'y avait rien. Et donc, on peut retourner par là, je crois, hein, la sortie. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Nickel! Nickel, on commence à comprendre les mécanismes du jeu. Après au moins 5 heures de jeu, quoi. Mais mieux vaut tard que jamais. Alors, on était ici, assassiner le chef de la main d'argent. Je sais plus si on était loin. Moi, je suis ici. Voilà, c'est ça. Merde, je me trompe. Mais franchement, on commence à être bien là. Hop, là, je vais tourner un petit peu ça. Oh, on commence à être bien, on est pas mal. On commence à connaître les mécanismes. Ouais, ça, c'est nickel. C'est nickel. C'est ici qu'il faut que j'aille. Ouais, c'est ça. Hein. Ça a des potes, hein.
Bon, y a rien à dire. Franchement, le jeu. On va prendre les flèches. Arc long, on s'en fout. Ouais, est-ce qu'il y a un coffre? Ouais, il y a un coffre là. On va prendre le coffre. Un novice. Putain. C'était un peu plus en fait. Voilà. De l'or, potion. Armure à bande. Non. Oh, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Hop, sauvegarde rapide. Et on continue, les amis. Tout a l'air dégagé maintenant. Oui. Il est fort. Très fort. Faut vraiment que je commence à mettre des potions quoi dans mes favoris parce que ça va pas le faire quoi. Est-ce qu'on peut trier tout ça par exemple? Antidote, poisson de vigueur, des grosses potions hein, sinon ça sert à rien. Qu'est-ce que j'ai? Ça pète pas mal. Favori. Potion de soins légers. Non, soins légers, ça m'intéresse pas. Minime, encore moins. Soigne toutes les maladies, ça pète bien.
La santé augmente de 100 points toutes les 45 secondes. Ça peut être pas mal aussi. Et donc, ça s'utiliserait comment? Alors, on fait ça. On fait potion de magie légère, par exemple. D'accord. Et potion médicinale. Non, c'est pas ça. C'est soin, ouais. J'en ai pas pris, en fait, il me semble. Hein. Ouais, voilà. Donc, ici, on est dans la salle des coffres. Bon, la bière. Ok. Hein. Ici. Ouais, ça, c'était l'archer. Ok, j'ai fait son bouquin, là. Hop, on va regarder. Livre. C'est ça. Bon, il n'y a rien. On peut jeter. Hop. Voilà. Le coffre. Ah, attention. Il y a... Hop. Voilà. Alors, carte au trésor, c'est pas mal. Potion du chevalier. Oh putain, c'est quoi ça? Mais il marque pas. Ouais, ça on peut le prendre. Ça. On s'en fout. Ça pèse de rien. On peut le prendre aussi. Ça rapporte du pognon. Et ça, on s'en branle. On s'en fout. Hein. Alors, j'avais vu la tenue. C'était l'armure là. Non, ici 34. Elle pèse plus lourde. Mais sort d'illusion coûte 17% moins. Donc. On s'en fout. Ça, on s'en fout. Les potions créées sont 12% plus puissantes. D'accord. Bon. Et j'ai ramassé, c'est tout. C'est tout. Ah, un bouquin. Hop. Ok. Alors ici, petite sauvegarde. Je me suis bien démerdé, là, quoi. J'ai tué, retourné voir... allez, là. Alors, il faut sortir d'ici. Ok. Par là. Je suis devenu un loup-garou quand même, hein. Devenu un loup-garou. Donc la sauvegarde automatique est donc ici, ben hop. Est-ce qu'on peut stepper ma situation actuelle? Je suis ici. Je peux pas me tepper là, mais je peux me tepper à Fort Dragon. Voilà, on va stepper. Puis on va finir cette quête. Bien sympa, bien sympa. Chris et Gris Toison finir dans l'Oblivion. Ils veulent soutenir les sombrages. Ils auront ce qu'ils veulent. C'est par où? C'est par ici, hein. Elle est là. Continuez. J'espère que la chasse se passera bien, mon. Excellent. Vous êtes parvenu à les forcer à se cacher. Continuez comme ça et nous finirons par les anéantir. Ok.
100 pièces d'or. La main d'argent parcourt le monde à la recherche des fragments de Vutrad. Un groupe s'est caché à Estmarche. Récupérez cela, pour notre honneur à tous. Bon. Alors, attendez. J'ai ça. Retrouverai le fragment de Vrust. Ah, question d'honneur, c'est ça en fait. Faut que je donc j'ai récupéré la hache, il me semble, et il me manque plus que ça en fait. Bon, ok. Bon, on fera ça la prochaine fois. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça, une question d'honneur. Hein. Voilà, récupération. Parce que ça, j'ai trouvé ça, le. Attendez, hein. La hache. Non, c'était le marteau en fer, je me suis trompé. C'était le marteau en fer. Bon les amis, on va se quitter là pour cette session, une très très grosse session d'1h49 de live. C'était une seconde partie, d'ailleurs la première partie était un peu plus courte. On a bien avancé dans le game. Qu'est-ce que je pourrais dire? Est-ce qu'on a fait des choses, des compétences? Non, on n'a pas débloqué de compétences. Voilà, je pense qu'on est bien. On est bien, on a forgé des armures, on a trouvé des nouvelles armures, du stuff, etc. On sait se transformer en loup-garou maintenant. Ça, c'est quelque chose... C'est pas vraiment pas mal, on est quasi invincible, quoi, un loup-garou. Ouais, j'ai beaucoup aimé le loup-garou. Voilà. Donc, on va essayer de se retrouver dès demain pour un nouveau live. Et sur ce, comme d'habitude, je vous embrasse tous et je vous remercie de me suivre sur ma chaîne. Et je vous dis à tout bientôt. Allez, bisous bisous tout le monde.